Music. Concernant ma RX-8, enfin une de mes RX-8, donc tout simplement je fais partie du groupe sur Facebook, donc RX-8 France, et j'ai vu de nombreuses questions à propos de bobines performance, etc., qu'on peut trouver sur divers sites internet. En l'occurrence, moi j'en ai déjà monté, donc les modèles que j'ai laissés dernièrement dans un commentaire, dans une demande, j'en ai déjà monté donc sur la grise, que vous avez déjà vu, ça tourne très bien. J'ai trouvé personnellement un gain de performance, donc je suis reparti sur la même chose, mais pour la bleue. Donc là, je vais vous montrer le type de bobine exact que j'ai pris. Et voilà, pour ceux qui veulent essayer, moi personnellement j'ai fait le test, j'ai pris un risque entre guillemets, c'est pas plus cher que l'origine, j'ai pris le risque et au final j'en suis content. Après c'est sûr, c'est pas de la bobine MSD qui elle est garantie à vie. Après je peux recommander d'autres marques, d'autres références, mais celle-ci, pour les avoir utilisées, j'ai décidé de vous faire la vidéo pour vraiment que vous puissiez voir par vous-même. Commencez par le commencement. La voiture, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-là, c'est là-dessus qu'on va monter les bobines. Donc là, je suis toujours en bobine d'origine. Bon, après, il y a juste, on me dit là-dessus, il y a juste un échappement, une admission directe. Hein. C'est tout, point barre, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire, comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes. Donc voilà, alors, moi déjà, je commence par remplacer tout ce qui est fil d'allumage. Tu vois, j'ai tout prévu. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais sortir donc les bobines. Vous voyez, moi j'ai pris celle-ci. Donc. Hop. Voilà, voilà à quoi elle ressemble. Voilà. J'en ai 4 comme ça. Donc vous verrez, vous en avez 2 par boîte. Tu vois, là encore une ici. Donc voilà, j'ai encore la deuxième boîte qui est ici. Avec les deux autres dedans également. Alors, donc concrètement, moi, la couleur, je m'en balance. Clairement, j'en avais rien à foutre de la couleur. C'est comme les fils d'allumage, je m'en pète royalement. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir tester ces fameuses bobines. Parce qu'il y a des gens qui lâchent des commentaires sans forcément avoir essayé le produit. Donc, moi, perso, j'essaye le produit et je vous fais le retour par la suite. Voilà. C'est totalement ça le but, de savoir si ça vaut vraiment le coup, est-ce qu'on a vraiment un gain de performance. Bon, moi en l'occurrence, j'ai pu le tester donc sur la grise, donc j'ai vu effectivement la différence. Maintenant, je vais vous le montrer sur celle-ci, puisque la grise, je n'ai pas eu le temps malheureusement de faire de vidéo. Pour se rendre compte un petit peu des performances, voir si vous avez un gain ou pas, et voir que ça fonctionne bien effectivement. Là on va partir, donc on va faire un essai routier, donc j'ai pas encore monté les bobines,
pour le moment. Donc là, on fait un essai déjà comme ça, et après, on avisera. Donc déjà, on va aller sur une portion de route où on peut se permettre de tirer un petit peu les rapports. Donc là, je l'ai laissé chauffer tranquillement, comme vous pouvez le voir. Là, tu vois, pression d'huile, je suis OK. Tout est nickel. Enlève mon frein à main, le voyant se barre. Et maintenant, eh ben, faut mettre la ceinture. Voilà, là, on est à zéro. Donc, la première chose pour remplacer vos bobines, ça va être de démonter, en fait, enlever la boîte à air, l'admission d'air. Donc moi, voilà, comme vous avez vu, c'est un cornet que j'ai là-dessus. Donc vous avez des vis de 10 ici. Ah, celle-ci d'ailleurs, il va falloir que je serre. Je vais enlever mon collier et j'aurai accès aux bobines. Si je prends pas tous les outils, c'est la merde. Vous avez deux vis qui sont vraiment au fond. Donc, je sais pas si on va les voir là. Alors, hop. Voilà, il y a une vis ici, une vis là. Donc. Et là, évidemment, et si je change pas de douille, elles sont bien serrées. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, je débranche, bien évidemment, ma batterie. Ça, c'est impératif. Toujours penser à la déconnecter. Pourquoi la déconnecter? Comme dans mes vidéos précédentes, vous touchez un organe électrique. Donc, on enlève afin qu'on n'ait pas de soucis. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, donc, vous enlevez les deux grandes vis que vous avez là. Hop, et voilà. Donc là, hop, un petit peu de place. On récupère le collier du cornet. Là, ici, ça,
évidemment, ça va me faire chier, je m'en doutais. Est-ce que j'y ai accès par là? Ouais, donc faut que j'enlève tout ce qui est ici. Donc là, pareil. Hop, desserrer le collier. Pour tirer l'admission. Ça, j'aime pas trop tirer dessus. Ça a l'air d'être un truc qui pète facilement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir enlever par là? Hop. Là, je débranche ici. Je vais débrancher mes deux connectiques. Voilà. Ça. Est-ce que je vais arriver à te déclipser, toi? Ouais. Voilà. Nos bobines d'allumage, les voici. Tu vois. Une bobine, 2, 3 et 4. Là, comme vous voyez, c'est les bobines vraiment d'origine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même chose. Alors, pour démonter vos bobines, rien de plus simple, vous retirez votre câble d'allumage et en fait, en dessous, vous voyez, vous avez un petit écrou là, de 10. Desserrez l'écrou, vous appuyez cette connectique. Et hop, vous la sortez. Rien de plus simple. Pareil, pour ne pas se faire avoir, faites bobine par bobine. Commencez par celle du fond pour revenir plus en avant. Pourquoi? Parce que vous aurez plus simple déjà d'accès et ça vous évitera de vous planter dans les fils de bougie pour l'ordre d'allumage. Si vous branchez un mauvais ordre d'allumage, le moteur ne démarrera pas. Ou alors, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça ne démarre pas, ça m'est déjà arrivé auparavant, il y a des années de ça, ça démarre, mais ça saccade, ou alors vous allez avoir la ligne d'échappement qui va rougir, parce que bah, forcément l'inflammation ne se fait pas au bon moment, etc. Voilà, donc faites vraiment très attention à l'ordre d'allumage, c'est impératif. Bon, je termine ça et on se retrouve après.
amis, comme vous avez pu le voir, rien de compliqué. Tu vois, tout est bien repassé. On a fini de tout raccorder. Maintenant, reste à remonter la boîte à air, tout ce qui est admission en fait. Et après, on pourra aller faire un test. Voilà les amis, ça y est, j'ai tout remonté. C'est officiel, c'est fini. Regarde. On a bien remonté l'admission d'air. Puis rien ne bouge. J'ai resserré en même temps la vis du bocal de refroidissement qui se desserrait tranquillement. Et là, on est tout bon. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à faire un essai. Donc pareil, il va falloir que je me retape encore pas mal de routes pour pouvoir faire ça sereinement, en sécurité, que ce soit pour moi et pour les autres. Vous doutez bien, maintenant qu'on a tout remonté, eh ben on va remettre en route. Alors le DSC qui se met en défaut, vous voyez qu'il clignote là, et l'anti-patinage désactivé. Ça c'est normal, à chaque fois que vous débrancherez la batterie de votre RX-8, l'anti-patinage durant les premiers kilomètres quand vous allez la remettre en route, l'anti-patinage va être désactivé. Donc vous faites quelques kilomètres, vous coupez la voiture, vous redémarrez et vous allez voir, le DSC va se réactiver automatiquement. Ça sert à rien de rappuyer sur le bouton, parce que regarde, là, j'appuie le bouton, là, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, donc soyez vraiment très prudents. C'est des voitures qui tiennent le pavé, mais qui driftent aussi très facilement, et je sais de quoi je parle. Donc voilà, là je vais la laisser chauffer tranquillement, on va prendre la route, et puis dès qu'on est arrivé sur place, eh ben, je vous fais la petite vidéo. Voilà! Comme vous avez pu le voir, la voiture fonctionne parfaitement, elle a toute sa pêche, on a un petit gain, mais voilà, franchement, personnellement, pour le prix, comme j'ai dit, voilà, vous avez vu par vous-même, ça fonctionne très très bien, ça a beau venir de je ne sais où, que ça soit sur différents sites, la couleur, on s'en branle, c'est ce que je vous disais clairement, on n'en a rien à foutre. Tout ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Après, sur le temps, donc moi je sais que sur la grise, ça fait déjà une paire de mois que je les ai, et je n'ai aucun problème là-dessus. Après, à voir dans les années, effectivement, et suivant l'utilisation, si c'est une voiture de tous les jours, c'est une voiture que de week-end, voilà, on va voir tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao ciao. Ben voilà ce que ça donne. Voilà, la vitre, il n'y a plus de vitre arrière. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive.